Messieurs, bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévision. Merci de votre fidélité. Nous avons le réel plaisir de recevoir Georges. C'est mercredi pour le tout premier numéro de ce mois de novembre. Georges, Boni. Très bien. Vous avez bien. Et vous nous aviez promis une émission à Lingala. Loba. Parce que les qui ont besoin de comprendre. Ma bête. Ils comprennent bien les messages. Ma bête. Situation calme. Vous n'avez pas les mots, il faut expliquer, dites-nous c'est quoi la situation. On va faire une émission en bilingue. Oui, français, situation est en calme. Dites-nous, monsieur Georges, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ce matin? On a appris bien sûr qu'il y a une accalmie sur la ligne de front de Kibumba et Burumba. Bon, dire qu'il y a une accalmie, c'est trop dur parce que personne ne maîtrise ce qui se passe à Kibumba. Parce qu'on a coupé toutes la ligne de circulation, qu'il s'agisse de ceux-là qui viennent de Rutshuru ou soit ceux-là qui viennent de Goma, il n'y a pas de déplacement de population. Et comme l'armée travaille dans le secret, il n'y a personne qui maîtrise ce qui se passe à Kibumba. Et nous avons ouï dire qu'il y a de sérieux affrontements. Vraiment, c'est vraiment sérieux, jusqu'au point que l'ennemi est en train de ramasser des cadavres par-ci, par-là. Il n'a plus permis aux gens de devoir traverser cette ligne. Donc, à partir de Rugari jusqu'à Kanyamaoro, il n'y a vraiment pas de civils. La zone, elle est comme une zone fantôme. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui connaît ce qui se passe réellement sur les lignes de front. Bon, pas dire personne parce qu'on a des sources, il y a des sources sécuritaires qui peuvent donner la nouvelle. On revient d'abord sur la situation de ce matin, Georges. Il faut dire qu'une accalmie est observée ce matin, si l'accès Kibumba, Burumba, après des violents combats, approcha Goma hier mardi entre les FARDC et l'armée rwandaise. Selon plusieurs sources locales qui affirment également que les deux parties restent cependant en alerte maximale dans cette zone où tous les mouvements et trafic routier des populations sont suspendus et interdits par les rebelles depuis quelques jours. Au niveau régional, rien ne bouge, pensent certains experts qui disent que la diplomatie régionale est au point mort. Effectivement, c'est ce que je venais même de le dire. Il n'y a personne qui maîtrise réellement la situation. Même la diplomatie régionale ne connaît plus qu'est-ce qui se passe. On parle de la diplomatie régionale qui est au point mort par rapport au cessez-le-feu. C'est-à-dire quoi? Dire qu'il y a un cessez-le-feu. Il y a l'armée et les M23 qui se battent, en fait. Dire qu'il y a un cessez-le-feu, c'est faux et c'est utopique. Ouais. Parce qu'il y en a si pas, on peut avoir un accalmie, bon, c'est la guerre. On peut avoir un accalmie peut-être de 15 minutes. 2 heures ou 5 heures, mais après encore ça va capoter. C'est pourquoi les moyens, je vous dis que personne ne maîtrise ce qui se passe. Parce que même les militaires, ils sont très aux aguets, comme vous venez de le dire. Ils sont très déterminés. Tout le monde est en alerte très, 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 très élevée. Pour vous dire que on peut avoir un repos, mais on n'est pas à cesser le feu. Le repos. On peut avoir un repos et le repos peut avoir des temps bien limités, 1 heure, 2 heures, 30 minutes, soit même une journée. Mais puis après, comme c'est si la ligne de front, à n'importe quel moment, ça peut toujours encore reprendre. Et ça va continuer toujours comme ça là. Effectivement, c'est la guerre. Moi, je vous dis que c'est la guerre. Et la guerre, elle est bonne pour celui-là qui va la gagner. Et c'est comme ça. Nous devons gagner cette guerre, nous allons la gagner. Nous l'avons déjà gagnée à l'avance. Pourquoi? Parce que tout d'abord, toute la population congolaise, elle est pour cette guerre. D'accord. Oui. Georges, ce matin, l'armée a balancé les images des 4 militaires rwandais qui se sont rendus au FARDC. Georges, vous avez vu les images? Effectivement, oui. Vous en dites quoi par rapport à ces... Non, en fait, c'est comme si c'est d'ailleurs, quand ils étaient en train de s'expliquer, ça prouvait combien de fois que
dans le cas de l'ennemi, il n'y a plus espoir. Eux-mêmes disent qu'il n'y a vraiment, il n'y a rien, absolument rien. Et surtout que l'autre là qui disait que nous avons perdu beaucoup d'hommes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les FARDC sont en train réellement d'imposer la mort à l'ennemi. Non, cette fois-là, la preuve tangible est là. Et d'ailleurs, ces quatre éléments, s'ils se sont peut-être échappés, ils ne savent même pas de quelle manière ils se sont échappés. Pour dire que c'est sauf qui peut. Et pour le moment, vous ne voyez que les Oiseliens sont toujours mobilisés. Même de ceux de Calais venaient demander tout de suite là. Vous avez vu les images, hein? Bon, effectivement, oui. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, toute la population congolaise est déterminée pour faire la guerre. Et la guerre la plus populaire avec le Rwanda. Et ça, on ne peut plus même retourner en arrière. Qu'il s'agisse de la guerre, oui. Mais dire qu'il faut négocier, ça, non. Parce qu'on en a fait autant. Le résultat a toujours été ce qu'ils ont toujours fait. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà au moins négocié plus de 10 fois. Nairobi et avec Moussa Nyamwisi. J'espère. Goma, conférence de Goma. J'espère. Oui, ici avec Oluseguni Obasanjo, c'était à Jomba. On voit, j'espère, à Mounyonyo. Partout. Toujours les négociations avec les mêmes individus. Les mêmes demandes. Cette fois-là, non. On ne peut plus. Vous refusez. Ça, non. Parce que, bon, il n'y a vraiment pas de résultat qui convainc que réellement ces négociations nous ont amené à quelque chose d'avancement. Et maintenant, voilà, ils nous reviennent toujours avec les mêmes stratégies, les mêmes individus, les mêmes revendications. Ça pour dire que on a déjà avancé. C'est révolu. Nous devons aller à d'autres étapes. Et l'étape d'aujourd'hui, c'est la guerre. Et c'est lui qui va gagner l'autre. Il sera victorieux de cette guerre. Vous devez vous rassurer de gagner cette guerre. Nous sommes rassurés. Toute la population est déjà déterminée pour faire cette guerre. Et surtout le numéro 1 qui nous a ouvert cette porte d'aller vers la guerre. Parce que lui, plusieurs fois, a toujours dit qu'il ne négociera jamais. Les M23 doivent s'apprendre. Moi, je dirais, si je pouvais peut-être être écouté par Kagame, je lui dirais tout simplement qu'il cesse avec cette velléité et qu'il cherche d'autres moyens pour voir comment créer la paix entre ces deux pays. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, d'abord, le Rwanda, c'est notre voisin. Autre chose, nous savons très bien que Kagame prendra fin. Mais même si Kagame prenait fin, il faut qu'il laisse maintenant la région toujours divisée comme ça? Non! Il doit créer ce qu'on appelle le climat d'attente entre les deux peuples. Malheureusement, il n'en a jamais fait. Et c'est pourquoi, bon, comme il s'agit de. Comme lui, il est amoureux, il est amoureux à la guerre. C'est comme si pour lui, la guerre, c'est son don, c'est un don qui lui a été légué par Satan. Alors comme ça, bon. Il a opté pour la guerre, nous devons faire cette guerre. Il est fort aussi, genre, parce que quand on fait la guerre, ça dit qu'on est fort. Fort par rapport à quoi? Vous-même, vous avez suivi ces capturés qui vous disaient réellement qu'en tout cas, il n'y a absolument rien. D'ailleurs, cette guerre, nous l'avons déjà perdue d'avance. Et même l'ont dit, pour vous dire qu'il n'y a absolument rien. Il est en train de faire souffrir cette jeunesse rwandaise inutilement et gratuitement, ça qui est même une récompense quelconque. Il meurt ces jeunes, mais alors que les jeunes. Vous pouvez nous être utiles pour autre chose. Ces jeunes qui meurent si les lignes de front, jour ou nuit. Croyez-vous que réellement nous allons les récupérer d'une manière ou d'une autre? Non, c'est une perte encore, une perte dans la région. C'est grave, c'est grave, c'est gravissime. Bon, moi j'ai toujours pris Kagame pour. Même Pharaon était bien que Kagame. Parce que même Pharaon, à un moment donné, il a accepté que vraiment, il faut toujours quand même baisser les bras. Mais Kagame, pour lui, non. Alors, on revient sur cette nouvelle, Georges, on a vu la lettre signée par le gouverneur de Nord Kivu. Le général Dieudonné Moïma, en tout cas, a été nommé nouveau commandant du secteur opérationnel Sokola D. Il sera secondé par le colonel Ndamate Apasi, selon une note à désignation à d'intérim signée par le gouverneur militaire, le général major. Vous connaissez M. Dieudonné Moïma, qui est
c'est parmi l'un des combattants. On l'a vu à Béni, il a été aussi à Minembwe récemment, d'ailleurs il vient de Tanganyika, c'est là où effectivement. Je suis très content de cette nouvelle nomination parce que je disais même au gouverneur. Je disais même au gouverneur après la défaite, sitôt la honte de Kichanga, je disais que on ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà, il vient de passer à l'acte. Notre général nous a peut-être rappelé à Kinshasa. Effectivement, c'est ce que nous avons appris. Voilà déjà, il commence déjà à faire les remplacements. Moi, je dis grand merci, mon gouverneur, parce que les gens qui nous ont trahis à Kichanga méritent quand même peut-être des pandésos pour moi. Imaginez quand les gens ont libéré sous le label du sang une cité stratégique comme Kichanga. Et vous, maintenant, vous convenez pour maintenant sacrifier les gens et faire un sabotage à un travail qui a été réellement fait par des Wazalendo avec du sang qui coule. Et voilà, merci beaucoup pour cette nouvelle nomination. Nous voudrions qu'à faire encore autant pour que réellement nous gagnions cet ennemi, sans pour autant encore avoir derrière nous, des traîtres. Parce que les traîtres sont plus dangereux que l'ennemi. Merci pour cette nomination. En tout cas, coup de chapeau au gouverneur. L'armée rwandaise tente d'occuper des positions initiales des FARDC à Kibumba, dans les parcs nationaux de Kibumba. Dénonce les porte-parole de l'armée, le colonel Jité Kayo. Effectivement, il y tente, mais il ne réussit pas. Il y tente. L'armée qui dénonce toujours. Allez à Kibumba. C'est pas. Juste, vous avez toujours. Vous blaguez quand nous sommes ici au bureau. Essayez d'aller d'abord sur les lignes de front. Vous allez vous palper du doigt la réalité de ce qui se passe au front. Et surtout que les capturés vont vous dire que, en tout cas, non. Dernièrement, il y a des dizaines de capturés à l'aéroport qu'on a acheminé quelque part parce qu'ils se sont dit que vraiment nous sommes incapables de d'avancer un mètre pour repousser les FARDC. Donc il n'y a plus absolument rien et la guerre est déjà gagnée d'avance. Et ce que je dis, moi je suis sûr de moi-même, la guerre est déjà gagnée d'avance. Même si quelqu'un pouvait dévaisser toute l'armée rwandaise en RDC, elle finira comme des cadavres en RDC. Cette armée rwandaise finira à perdre tout son effectif en RDC. Et peut-être que ça sera peut-être l'hécatombe pour les Rwandais, pour le régime de Kigali, pas pour tous les Rwandais, parce que tous les Rwandais ne sont pas mauvais comme Kagame. Au moins ça, nous les connaissons. Oui. Et je pense que, juste, vous devez... Je dirais peut-être aussi, si... Il y aurait peut-être un moment où vous pouvez, par exemple, aller au Rwanda, même faire ce micro, qu'il s'explique aussi de ce qui se passe au Congo. Ce serait aussi bien. Malheureusement, lui, il travaille toujours dans ce qu'on appelle l'obscurité, là. Il ne fait absolument rien. Il est toujours... C'est comme si un Satan, là, dans l'obscurité, qui ne fait que sucer le sang des humains. Cette fois-là, nous avons dit pas question. Et à cause de cette position, Félix... Moi, je te dis que tu es le plus populaire de l'Est. Tu es l'homme le plus consommé à l'Est. Et cette position, elle doit rester une position identique et constante. Il ne faudrait pas qu'un seul jour, cette position puisse changer. Parce que si une fois vous changez cette position, vous auriez déjà sacrifié, et peut-être, je dirais, sacrifié tous les seuls qui succombent sur le front. Autant mieux mourir sur le front que de dire que nous sommes morts parce qu'il y a eu une situation peut-être malveillante du gouvernement. Mais cette position que nous avons aujourd'hui, c'est une position qui nous rassure et surtout qui égaye le cœur des Congolais. Surtout pour nous de l'Est. Nous avons voulu ça et nous l'aimons. C'est pourquoi vous trouvez nos Wazalendo qui surgissent de partout, même ceux de Kisangani, ceux de Maniema, de partout, ils disent que la seule et l'unique, le seul et l'unique ennemi, il s'appelle le M23, parce que c'est le M23 qui est presque le père de toutes les rébellions, de toutes les petites rébellions mauvaises qui,
qui met la quiétude de la population mais, à l'Est. Mais monsieur Georges, est-ce que faut-il continuer à dire que l'armée congolaise se bat contre l'ennemi ou bien contre l'armée rwandaise? Moi, je vais tout simplement dire l'armée congolaise se bat avec l'armée rwandaise parce qu'il a, il a été déjà démontré que tous ceux qui se battent du côté du M23, soi-disant M23, sont tous des Rwandais. Même dernièrement, quand le ministre des Affaires étrangères, Lutundula, était avec les ambassadeurs, il a démontré noir sur blanc que c'est l'armée rwandaise réellement qui vient, qui vient se battre, qui vient faire la guerre contre la RDC. Malheureusement, c'est le sol de la RDC, c'est le sol congolais. Mais dire que c'est le M23. Le M23 n'existe presque, n'existe même pas. Il n'a jamais existé. C'est l'armée rwandaise. Ça, je suis sûr et je martèle. Donc, c'est l'armée rwandaise qui avance, c'est pas le M23. Non, c'est l'armée rwandaise qui fait la guerre contre la RDC. Alors, si réellement les autorités ne savent rien, pourquoi continuons à tâtonner et faire une frappe une fois pour toutes s'il y a cette capacité de le faire? Bon, en fait, sur ça où on voit que la diplomatie régionale semble être au point mort. En fait, qu'est-ce qu'il y a? Dans toute action de guerre, surtout dans toute action militaire, il y a ce qu'on appelle l'orthodoxie des événements. C'est-à-dire, il y a toujours un ordre là à suivre. Il y a toujours des étapes à franchir pour directement déclencher une guerre contre un autre État. Ça ne veut pas dire que vous vous réveillez le lendemain, ça passe comme ça. N'est-ce pas que dans notre constitution, on dit ceci, quand il y a déclaration de guerre, il faut d'abord passer par le Parlement. Voilà qu'il faut, il y a beaucoup de méandres d'abord à franchir avant de déclencher cette guerre. Voilà pourquoi, moi, je dis, c'est là d'ailleurs que nous voulons aller. Mais dire que nous devons directement, et aujourd'hui, commencer déjà à lancer des bombes à partir du Mont Goma pour les lancer à Gisenyi, ce n'est pas comme ça. Il faut utiliser tout ce qui est. C'est des opérations orthodoxes à franchir, c'est-à-dire des choses à amener dans l'ordre, surtout dans l'ordre militaire, tout en respectant aussi les droits internationaux de guerre. C'est parce que je m'explique là-dessus et je suis en train de faire d'éclairer l'opinion. Mais en réalité, ceux qui se battent sur le front, ceux qui se battent ici à Kibumba, à Rutshuru, sont tous des militaires rwandais. Et des Rwandais, les fils, je dirais à 100% rwandais. Voilà pourquoi nous, Congolais, j'interpelle encore surtout les cœurs des Congolais, l'opinion congolaise, de partout dans le monde. Nous devons être prudents et nous devons nous unir. Et surtout, nous devons nous entraider. Moi, je peux être content quand certains, peut-être, par exemple, les Congolais qui se trouvent aux États-Unis, en France, partout, puissent aussi contribuer, tant soit peu de leurs moyens, même moral, même un petit moyen moral, au FRDC, au Wazalendo, vous auriez déjà fait votre tâche d'être, et c'est ce qu'on appelle un patriote. Pas seulement nous lire chaque fois seulement sur les vidéos, mais aussi votre contribution est très nécessaire. Par exemple, ce travail que moi j'ai fait ici, c'est un travail qui mérite aussi un soutien. Ce n'est pas gratuit. Parce que nous, on communique, on donne les éléments, les choses qui se passent sur le front, qui se passent dans la région. Mais les gens restent toujours dans leur firmament, leur fauteuil. C'est pour tout d'abord songer à ce que nous sommes en train de faire. La République nous appartient tous. La République n'appartient pas à une partie, à une catégorie de Congolais. C'est pour tout le monde. Et nous avons intérêt de faire quoi? De combattre, de nous unir pour bouter dehors l'ennemi. Et chacun selon ses capacités, ses moyens et surtout sa position. C'est pourquoi j'interpelle toute la communauté nationale et surtout diaspora. Vous de l'intérieur, vous qui êtes un peu loin même de la région de l'Est, nous avons besoin de votre contribution ici.
Moi, je suis en train de beaucoup féliciter les Oisaliens qui se disent même de manière qui disent nous allons aussi au nord Kivu. Des Tchopos qui disent nous allons aussi au nord Kivu. Actuellement, du sud Kivu, Calais, n'est-ce pas? Même fils, ils viennent aussi au nord Kivu. Nous avons besoin de ça, nous avons besoin de des hommes comme celui-là. Pas seulement les Oisaliens, même les Oisaliens à Vest. Même les Oisaliens à Vest, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin des Oisaliens même à Vest. Parce que c'est ce que je peux dire simplement que. Tous les Oisaliens qui sont à l'Assemblée nationale. Qui vous même les Oisaliens dans le Parlement. Est-ce qu'au moins ils sont des Oisaliens aujourd'hui? Bon, moi je dis des Oisaliens parce qu'ils se disent Congolais. Les Oisaliens, par exemple, dans le Parlement. Quelle est votre contribution en réalité dans cette action de guerre? Nos enfants. Bon, ok, c'est bon. Ils ont choisi ça. Mais quand même, ils ont besoin de votre appui. Les Oisaliens au Parlement, les Oisaliens au gouvernement, les Oisaliens, je ne sais pas, dans les entreprises publiques. Quelle est votre contribution? À part le travail que vous faites, mais merci. Votre contribution aussi merci personnelle, bien. Allez voir nos enfants sur les lignes de front, les appuyer aussi, merci. Ça va leur faire encore plus de force sur la ligne de front. Numéro de téléphone, Georges. Bon. Ok, le message, je vais faire des scènes. Ok, d'abord. Les militaires sont en train de passer. Oui. Les militaires sont déterminés. Les militaires sont déterminés. Message à ces militaires. En tout cas, vous militaires, mon message, c'est un message d'espoir et surtout de remerciement, de reconnaissance. Vous voyez comment il fuit. Il passe. Il fuit. Il ne fuit il pas. Il sort. Il est là. Juste, soyez d'abord congolais, mon frère. Soyez congolais. Les militaires, ils partent au front. Non, ils sont en train de descendre. Oui, il y a toujours relève. Il y a ce qu'on appelle relève. Après 4 jours, 5 jours de combats intenses, consécutifs, il faut qu'il y ait toujours une relève. Mais dire que aujourd'hui encore nous allons faire ce que les autres ont fait dans le passé, ça, on ne fera plus. Numéro de téléphone. Nous sommes en contact au plus 243 9 79 27 31 68. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardés. Georges, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. C'est moi qui vous remercie.